La décision que nous avons prise et qui sera inscrite dans la loi financée et qui rentrera en vigueur compte tenu d'ailleurs des modalités techniques à partir du 1er juillet 2021, c'est la mise en place d'un congé paternité d'un mois, c'est-à-dire le doublement de ce congé paternité avec 7 jours obligatoires. C'est évidemment un changement considérable, je le disais, c'est le doublement de ce congé. Les 7 jours obligatoires, c'est aussi la garantie que tous les pères pourront le prendre, quelle que soit leur situation, parce qu'on voit aussi aujourd'hui beaucoup d'inégalités selon la situation au travail, selon les comportements, les codes. En particulier, on le prend beaucoup plus facilement quand on est en CDI qu'en CDD. Et c'est ce qui va permettre de sanctuariser à minima ce temps obligatoire, mais qui va aussi créer un standard avec ce mois qui était fortement demandé.